What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Epic Games. Eh bien non, je rigole les amis, on est sur HC Team. Aujourd'hui les amis, on va faire un petit vidéo sur HC Team. On était raidable les amis, eh bien oui, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé et puis pour comment je me suis refait, etc. Un gros aussi merci à Yaboy, Yaboy qui est un abonné fidèle. Non, en vrai, je sais pas c'est qui, mais je pense qu'il veut fight ou il veut farm. Ok, il veut farm. Il est friendly, mais... Ouais, ok, fuck, j'ai peur. Donc, ouais. En gros, les amis, on a tout perdu. On s'est fait mettre là-bas. En fait, il y a un gars de notre faction qui nous a trahis. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est, bien sûr, ben... On est devenu raidable. Mais là, je sais pas si eux veulent me le taper ou non, là. Soyez gentils, s'il vous plaît. Ok, ils sont gentils. Donc ouais, en gros, c'est fait mettre raidable. J'ai peur un peu dans l'aine, les gars. Donc ouais, on s'est fait mettre raidable par un gars qui nous a trahis. Il a aidé la gars de la Victoria Secret à rentrer dans la base. La Victoria Secret nous a tués. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que... ensuite, la France, je crois, je suis pas sûr, la France, la franchise... Je suis pas certain de ce que j'ai apparemment, ses amis, mais en tout cas, il y avait genre 40 personnes en base quand je me suis connecté. C'était un gros big team fight en bas dans la salle des coffres. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des codes dedans. S'il y a des gens qui ont des codes dedans, on est dans la merde. Mais sinon, on a déjà commencé à se refaire. J'ai refait toute la base. On a modifié certains trucs. Je vais vous montrer qu'est-ce qui a changé, etc. Juste après. Je vais juste essayer d'avoir un peu plus de perles, mais là, je sais pas trop, man. Ils spawnent pas les Enderman ou je sais pas quoi. C'est fucké, je vais rester ici. Peut-être aller à un autre spawner où je devrais peut-être changer de place. Mais en tout cas, il y a des gars dans l'aine. Il s'appelle Yaboy. Il m'a laissé farmer, les gars. Et c'est lui qui me laisse farmer en ce moment. C'est lui qui contrôle l'aine avec sa faction. Donc, un gros merci à leur faction. Je voudrais vraiment, les amis, que vous ayez dans le... j'aimerais vraiment que vous ayez dans le... J'aimerais vraiment ça que vous ayez dans le truc YouTube que je vais mettre dans la description. Je vais mettre sa chaîne YouTube à Yaboy. C'est un anglais. Allez juste lui dire un gros merci. Il vient juste de mettre Raidable une faction, je pense. Oh non, même pas. Tabarnak, ça aurait été beau. Ils ont tué genre 3 gars qui avaient crash, j'imagine. Agami. Il est-tu dans sa faction? Agami non plus. C'était tous des solo guys. Oh, rip. Ça aurait été beau que ça soit tout ensemble. Parce que tous les gars qui ont fait les kills, c'était tous des gars qui étaient dans la même faction. RIP quoi. C'était tous des gars genre Translator, Good Kite, Air. C'est tous des gars qui sont dans la même faction. Je suis pas sûr de Good Kite par exemple. God Kite, excuse. God Kite, non. Ouais, c'est ça. God Kite, il a tué un gars de sa propre faction. What? Ah non, il a tué. Lui, il est en faction de God Kite. Lui, il est en faction de lui. Oh my god. Ok, compliqué qu'est-ce qui est arrivé là, mais c'est pas grave. Donc ouais, je vais y aller avec ça, les amis. Je pense que j'ai assez de perles. J'en ai pas besoin d'un million de plus. Peut-être encore quelques Enderman. De toute façon, on peut rester ici. On est clé en ce moment. J'ai juste une ligne de potes. C'est ça le seul problème. J'ai pas refait mes machines à potes. Puis en même temps, je vais pouvoir en prendre le temps pour vous montrer ben, la base, puis etc. Je pense que ça peut être une bonne, un bon début. So... En gros, allez voir la chaîne de mon ami, je vais mettre le lien dans le truc, mais s'il te plaît, allez vraiment voir, ça me ferait extrêmement plaisir si vous allez voir sa chaîne YouTube et mettre un petit commentaire genre « Oh, merci d'avoir aidé Icons » ou « Thank you for helping Icons », je sais qu'il est anglais, so, mettez « Thank you for helping Icons », je vais vous montrer « Thank you for helping Icons », vous mettez juste ça dans les commentaires de sa dernière vidéo les amis. Moi, ça me ferait super plaisir parce que c'est lui qui m'a vraiment beaucoup aidé à pouvoir farmer un DC de perles pendant genre 30 minutes. Il m'a laissé farmer dans l'aine. J'ai pu récolter un DC de perles. Comme vous voyez, mon épée était neuve. L'épée de poulet plutôt était neuve. Et puis, je l'ai presque brûlé quoi. Donc, un gros merci. Il m'a laissé au moins farmer au moins un DC facile. Vous allez voir, rendu à la base, excusez-moi. Et puis, pendant que les autres, moi je farmais dans l'aine, mes amis à moi ils ont été minés. On n'a pas perdu trop de temps. On a déjà un stack de blocs de diamants. Je pense que tout le monde a été miné environ 3-4 heures de temps. So, on s'est vite refait. Le seul souci, c'est dans la gunpowder, la glowstone, etc. Le petit souci, c'est qu'on en a pas beaucoup. Je suis en train de faire de la merde là. Faut pas que je fasse de la merde parce que j'ai pas beaucoup de potes. Puis en plus, il y a peut-être des gens qui vont arriver nous jump. Il faudra survivre le petit peu de temps le temps que nos amis nous protègent. Mais bon, en gros, voilà. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous ayez fait ça pour moi. Je vous demande presque jamais de faire quelque chose pour moi. Mais là, c'est vraiment le temps de pouvoir m'aider. Let's go, on va là.
On va tuer ce Underman là. On va prendre juste une ligne puis on va s'en aller. Parce que ben on n'a pas besoin de plus que ça. Je pense qu'avec la ligne qu'on a là, je pense qu'on a plus qu'un DC. Je pense pas qu'un plus qu'un DC pour genre 15 personnes vu qu'on a changé de roster. Pour 15 personnes, c'est assez. J'ai kické tous les Français vu que j'étais pas là connecté en même temps qu'eux. Je pouvais pas vraiment savoir qu'est-ce qu'ils foutaient, etc. Je trouve que c'est plus safe de faire ça comme ça. Comme ça, c'est toute la plupart des Québécois. Il y a quelques Français, des Français qu'est-ce que je tords, les Français qu'on connaît bien. Bumpy s'occupe du côté français de la faction. En espérant qu'il n'y ait plus de problème de trahison, quoi que ce soit. Parce que le serveur, il rembourse pas quand il y a de trahison. Mais vous êtes banni, donc. C'est pas cool, cool, normalement. Oh my god. J'ai pas de speech dans merde. Please. Non. 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 Oh my god, scumbag! Vraiment des esti de scumbag, man. Esti des angry kills, no joke, là. Holy fuck. What the fuck? Le gros, je suis tout seul, je t'ai fait des signes d'Ali, tabarnak, c'est quoi ton esti de problème? Sacrement, what the fuck? Oh my god, il y a vraiment des scumbags sur cet esti de serveur de merde là. So, bon, ce que je voulais vous montrer, c'était que j'avais farmé quand même un DC de PL. Bon, c'est pas grave, j'ai perdu du stuff. J'ai toujours un stuff normalement ici dans le coffre, oui, voilà. Toujours un stuff ici, c'est le dernier stuff que j'ai par exemple. So, ça ferait mal à mon cul de le perdre. On avait des looting juste ici. Je vais prendre juste une sharp 2. Je vais faire essayer de faire des machines à potes. Tout le monde a essayé, hein. Je suis pas tellement doué. Mais voilà, t'aurais de la canne à sucre. Non, j'ai pas de canne à sucre, j'ai rien. MDF home. On va pas l'aller. On va aller voir la boîte à dons. Fait que ouais, j'ai essayé de la boîte à dons. Je vais vous présenter la base tant qu'on y est. Donc, 58 dièmes. Ouh! Merci pour les donations, les amis. Ça fait plaisir. Donc oui, on a set up la nouvelle base. Donc on a mis la boîte à dons ici. On a fait une safe room ici pour sortir. On a fait la trappe là, Let's Alex juste là. Puis c'est qui lui? What? Ok, what the fuck? Ah oui, 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 ok, je sais c'est qui. Puis on a enlevé ça ici, on a rendu la montagne plate, etc. On a tout réparé, tout était pété. Donc on a tout réparé. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a ici? Rien, on a pas de la stone, etc. On a fait le pilier, tout était pété, les amis, truc de fou. Si vous allez voir la vidéo des petits arabes, etc., qui ont fait, ils ont fait ça. Le gars s'appelle Arab God, je crois, sur YouTube, quelque chose comme ça. Enfin, ils se pensent super bons, genre ils disent, ouais, écoute, on a raid, écoute, voilà. Ils nous ont pas vraiment raid, on s'est fait trahir, en fait. Et puis, eux sont arrivés, puis ils ont juste pris les loots, ils ont juste loot notre base, ils ont pas vraiment fight, ils ont pas. Pas vraiment fight contre nous ou quoi que ce soit, tu sais, c'était vraiment, ils nous ont pas vraiment mis raidable, c'est pas eux qui nous ont mis raidable, c'est la Victoria's Secret, hein, avec l'aide d'un gars qui a inside pour nous, tu sais, qui a inside pour eux, qui était dans notre faction, donc, je trouve ça dommage qu'ils se trouvent vraiment forts, ils font les petits gamins, genre, on est prêts d'écoute, wesh, 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 tu sais, les fanboys, bon, normal, il y a toujours des fanboys, mais, voilà, je trouve ça rigolo, parce que en fait, ils ont rien fait, quoi, tu sais, c'est ça qui est le plus drôle dans tout ça, c'est qu'ils ont rien calissé, genre, eux sont arrivés, ils ont pris le stuff, ils ont rien foutu, genre, puis là, maintenant, ils se la pètent, ça me fait crissement, mais crissement rire, mais bon, c'est la vie, les amis, c'est le jeu, on va recommencer comme tout le monde, comme vous voyez, on est déjà à pas mal de blocs de diam, on a tout été miné pendant long. Comme j'ai dit au début de la vidéo, on était tous terminés pendant quand même bon moment. Je pense 3-4 heures. En 5000, si vous savez pas, ils ont reset la map en 5000. Enfin, ils ont agrandi la map pour qu'il y ait plus de minerais, etc. Donc, si vous allez en 5000, il y a beaucoup plus de minerais. C'est comme genre comme une nouvelle map, je dirais. Je pense qu'on peut juste pas claim là-bas. Je suis pas sûr, par exemple, là-dessus. Je vais pas dire des fausses infos, mais je pense qu'on peut pas claim là-bas. So, voilà. Mais en gros, voilà, c'est pas mal ça. Je vais juste mettre à cuire quelques petits trucs. Ok, on a du charbon ici. On va mettre ça là. On va mettre ça, prendre ça, prendre ça. Tu peux me passer une looting du coffre pour farm. Pourquoi?
What the fuck? What the fuck? So ouais, ça c'est ça qu'on a. On a un petit peu de stuff. Ben eux, ils ont un petit peu de stuff. Donc P1, ils ont du P2, ils ont des livres. Des pioches, des trucs comme ça. On vient juste de s'en faire. La base a changé aussi. On a décidé de faire une petite drop zone plus simple. Ici, ça l'amène à la trappe de Salix. Donc ici, vu que c'est hors du claim, là, c'est dans la warzone, on a décidé de faire un truc comme ça pour tirer à l'arc d'ici. Toc, 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 ça va mieux. Mais aussi, on a toujours le bon classique comme ça. Faut juste remettre des portes. Comme vous voyez, les portes sont plus là. Faut juste remettre des portes. Et des pressure plates. On va faire ça tout de suite après. Ici, on a la salle à potion. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Mais ça va être la salle à potion. Donc, ils étaient tous PP. C'est tout ici. C'était fucking plein à la base. Donc, on a décidé de tout détruire pour refaire. Puis voilà. Ceux là, je vais prendre des portes en fer. Ou du moins, je vais crafter des portes en fer. So, on va faire. Ça nous en prend 12. Voilà. Ça nous prend de la stone. Stone, ça nous prend une pioche. On a perdu notre pioche, donc voilà. Et on va aller faire ça. Donc, on a besoin de crafter, dans le fond, les deux portes pour la LOL et Salex Trap. Ça, c'est ce qu'on s'apprête à faire, mes amis de l'Internet. Puis, si j'ai pris ça au cas où il n'y ait pas de slab, on en pourra en mettre. Donc, voilà. Tac, tac, tac. On va faire ça maintenant, genre de l'Internet. Ça, on va aller par ici. Oh, fuck, par ici. Ok, so, la plaque est là. Ah, il faut aussi mettre des hoopers, man, j'ai pas d'hooper. C'est vrai, bon, la trappe est pas terminée, en fait. On va la réparer ensemble aujourd'hui, ok. On va chercher des hoopers, on va chercher une pioche Silt-Touch. Puis ça devrait être bon, tac, tac, tac. Ok, pioche Silt-Touch, où es-tu? Silt-Touch, 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 il y en a une ici, je le sais, toi, t'es là. Voilà, pioche Silt-Touch, on va aussi prendre... du fer. Du bois, portillon, ça, et puis ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Toujours besoin de ça. C'est les outils essentiels de Bob le bricoleur, les amis. Si vous saviez pas, mon skin c'était Bob le bricoleur. Voilà. Bob the Builder, you know. Tac, 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 et puis tac, tac. J'ai un réflexe de dire tac tac souvent, vous remarquerez. Celui-là, on doit crafter des hopper, hopper, full of bitches. So, qu'est-ce qu'on a besoin? Oh, c'est pas des coffres comme ça qu'on a besoin, les amis. C'est des coffres comme ceci. On a besoin normalement de 6 hoopers avec ma stratégie de la mort qui tue. Donc, on devrait être correct si on fait ça comme ça. Voilà, on a 7 hoopers. You're really it, man. Already done, buddy. Already done, young man. Already done. Tac, tac. On va mettre un hooper ici. Bien sûr, le hooper doit face le milieu. There you go. On va faire ça comme ça. Petray. Voilà, c'est ce qui est arrivé en fait, c'est quelqu'un qui nous a trahi, qui a laissé tuer la rentrée des AFK, il a laissé des gens entrer pour tuer les AFK, puis on est devenu rebel. So, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé, les amis, c'est la vie, c'est la vie. Faut jamais faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas. J'ai appris de ma leçon, je vais plus jamais, jamais, jamais dans aucun serveur, les amis, recruter des abonnés. C'est parce que, voilà, quand je recrute des abonnés, il y a tout le temps de la merde qui arrive. So, voilà, si je fais ça... Je pense pas qu'ils peuvent pearl dans le hooper, mais moi je peux récupérer dans le hooper. So, voilà. Puis ça ici on peut ouvrir pour farmer normalement. Donc ça c'est fait, c'est bon. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Attends, ouais. J'ai pas envoyé à bon personne. C'était quoi son nom? Voilà. Je me demandais pourquoi il nous répondait pas. J'étais genre, what the fuck, le gars il veut plus nous parler déjà. Puis c'est lui qui nous a volé notre skeleton spawner. Un de nos skeletons. Tabarnouche. Well, do you know who? Yeah, he's banned and blacklisted.
So, yep, that's pretty much it, boys. I will bring you back dans un instant. Yo, what's up, les gens, on se reprend. Normalement, pas loin d'ici, il devrait avoir quelque chose. Un abonné fidèle m'a dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant juste ici. Donc, il m'a dit de venir ici et de creuser. L'abonné fidèle, à ce qu'il paraît, aurait trouvé quelque chose d'incroyable, c'est ce qu'il dit. So, il m'a dit de venir, peut-être que c'est un piège, on sait pas. J'ai pas beaucoup de potes sur moi, de toute façon vous le savez les amis. So, on y va en mode YOLO. Si on meurt, on meurt, si on survit, on survit. Chance j'avais des potes. Plus beaucoup de potes en plus, mais... Oh shit. Oh my god. That was a little bit scary, boys. A little bit scary. Me dit que c'était à couche 2. Faut que tu en descendes, I guess. Ça se trouve, il me troll. What the fuck? Ok, on va le suivre, l'abonné fidèle. Ok, on peut le taper. J'étais pas sûr. What the fuck? 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 What the fuck, boys? C'était quoi ça? Yo, ça doit être le coffre, ça doit être genre asti, c'est pas un don, genre le gars il était dans ma faction puis on s'est fait trade, so, c'est sûr que c'est pas un don, lui il a dû trouver tout ça ou il a tué quelqu'un puis il l'a mis dans le coffre. What the fuck, boys? Ça va relance si je vous reprends. What the fuck, je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé, le gars il m'a dit, comment t'as trouvé ça alors, kiffez-vous? Ben je suis suivi le chemin, j'ai vu un coffre, je suis le plus chanceux, lol. GG et merci. Donc, what, les gars, il m'a donné quand même 4 stacks de perles, un full P2, pas mal de stuff. Donc, je vais aussi vous montrer qu'est-ce que j'ai farmé. Finalement, j'ai farmé tout ça. Donc, presque un DC complet. Puis là, je vais y retourner, les amis. Essayer d'aller compléter ce DC. J'ai aussi... Ouh, what, des looting 3, j'avais même pas vu. J'ai juste pris les épées comme ça. Quelques looting 3, donc ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Un full P2. J'ai l'impression que c'est à Linkseed. Link. Ah, ça a l'air. Je pense que c'est son stuff parce que. Killed by Linkseed, c'est lui qui a mis le stuff là, du moins. C'était le dernier à posséder le stuff. Les blocs d'or, on en a beaucoup. Ça, on en a beaucoup. Shit, 2 stacks, ok. Netherwork, ça va. Gunpowder, ça va aussi. Et bloc de fer, c'est parfait. Oh my god, ben ça fait plaisir les gars. Ça fait plaisir justement, on était dans la misère niveau épée et tout ça. Tout ça, ça fait plaisir. So, je vais prendre tout ça et je vais mettre ça ici dans le coffre du bas. Ça va peut-être être les pickaxes, etc. En fond, dans ce coffre-là, avec les épées, les outils qui sont cheap quoi. Ça, c'est la pickaxe que j'utilisais par exemple. Voilà, prendre ça.
Remplacer ça là, mettre les pioches, la poche de pioche là, les épées et looting au milieu, et puis voilà. Le coffre du haut, c'est quoi qu'il y a ici? Faire des blabouf, ça c'est de la bouffe, 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 ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est aussi bon, on s'en fout, 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 ça on peut garder, on s'en fout, fou, et fou, garder. C'est bon, on va mettre ça dans des coffres ici. Donc, tac 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 tac. Voilà, je dis tout le temps tac 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 tac. Vous avez remarqué ou pas? Who do you, who do you, who do you, who? Subclaim icons. Voilà, puis on va mettre ça là. So, thanks man. Feather Falling 2. C'est pas le best, mais c'est mieux que ce que j'ai là. On va le garder sur nous, les amis. Oh, Fortune 3. Easy. Il y a les renommées Easy. On va réparer la looting, les amis. Oups. On va mettre ça dans le coffre à pioche. Tac, tac. On va réparer ce qu'on a ici. On va mettre les panneaux là. Et puis, je vous reprends, les amis, quand on retourne en laine encore une fois, tout de suite. Bon, les boys, on va juste faire chier Adios, dans le fond. Fait que si on le tag, nous, lui puis moi, on va mourir, dans le fond. Fait que ça vaut la peine. Poulet, toi, essaie de... Oh my god, ça va être rigolo, ça. Attends, ils sont combien dans l'offre que... Il n'arrête pas de me jump, j'ai tellement coupé des tags, là. Hey, c'est une bande de... Je suis en combien dans l'offre qu'il y a juste? Je sais pas, mais ça va être vraiment drôle. Tu l'as pas. Je suis caché, je vais venir le tag. C'est quoi le nom de la fuck Adios en vrai? Je suis le pas, je vais venir le tag. Go vite, va-t'en, Iconz, va-t'en d'être là. Laisse-le sortir. Iconz, man. C'est bon, ils sont sur le bord, ils sont sur le bord. Ouais? Ouais, tu peux les taper là, il fait fond. Oh! Get it, nerd. Il m'ont tag. It's a quan. Oh my god, ça va être une hard. Kite, ça. Ah! Adial! Malade! Malade! Oh, what, la barre de sortie et tout! Oh non! Oh bah, on fait quoi? Il y a la furie aussi! Oh, oh my god, moi je suis dans le marre, les gars! Ah, je me fais legit gangbang! À cause de petite life? J'ai les toutes sur moi, ouais! S'il te plaît! Ouais, c'est la barre! On est cave. Je m'en fous de mourir, moi. Moi aussi, je suis sur fucking. Attends, je vais fermer un peu là. Non, ferme pas. On a pas... Ferme pas, gros, on se fait. Hey, les gros, sérieux, j'ai vraiment besoin d'aide, no joke. Attends, moi, je focus là-bas, il rage. Go, play, focus là-bas. Oh, je focus le bas, moi. Go. On drop, go avant. Ah oh shit, j'en fais un quick drop moi. J'ai une de la part de eux. Moi je suis parti les gars. Allez, pas moi. Essaye des traps, moi j'ai deux potes. Non, il prend pas. Ah, deux potes. Ah, raconte, t'as deux potes. Ouais. Je me fais drain depuis tout à l'heure le gros, qu'est-ce que tu racontes? Mais je sais pas moi. Chris, j'étais 7 contre moi. Oh si, il m'a double debuff, Poulet, aide-moi. Il me reste une pote. Poulet, aide-moi, vite, J'arrive, maintenant, il y a fucking un dom qui me tape, j'arrive, je suis là. Vite. Yo les gars, je suis derrière, si vous êtes capable de m'aider, je prends la sortie là. Ok, Tysake, donne-moi des preuves. Paye Tysake, drop des potes, toi, dep. Je vais mourir aussi, ici. Oh shit. C'est lui qui a pick up mes potes. Je suis mort. Ouais, essaye de kite. Vite, poulet, tu vas mourir toi avec. Si t'es pas bon, man. Pourquoi t'aurais pas dû rester là, là? Quand t'es laisse le new target, pis. Oh my god. Y'a Bard qui me focus. Mais tu peux le drop le Bard, esti. Non, no joke, c'était drôle. No joke, c'était drôle. Fait que je m'en fous. Jesus Christ, that was funny, boys. I will bring you back! In a moment though. J'ai de l'internet. On a des Dumbo dans la trappe. On va aller tuer tous les Dumbo dans notre jolie trappe, les amis. À ce qui paraît, ils ont pas de stuff, mais qui sait, c'est des abonnés fidèles. On va aller voir qu'est-ce qu'ils disent ici. Oh. Oh. Alright, folks. We've got one, got two, got three,
Got four. That's what we call a spray kill, motherfuckers. Oh, we got one more. We've got one more. This Dumbo don't want to die. This Dumbo don't want to die. Ah, we got the last guy. Woo! I'm so good, ladies and gentlemen. So good. Thank you, my mom, for this unreal kill spray. Thank you, mama. I love you. See you later, my friend. Attends, peut-être qu'ils la connaissent pas. Attends, préparez-vous. Peut-être qu'ils la connaissent pas, en fait. Je sais pas. Ah, c'est eux, les fils de pute, qui tirent des œufs sur nous. Quelqu'un la tête dans shot level 1 pour moi. Bah, tu la déplaces. Attendez, Icon, j'y suis, tu me dis quand tu veux que j'ouvre. Ok. C'est quel peu de level qui est plus ma pioche. User joined your channel. Icon, tu fais une étrape. Ouais, t'inquiète. Bonsoir, toi. C'est qui, c'est Bob Lennon? Non, c'est moi. Oh là là, c'est mon cœur. Go! J'arrive, ok, je me bouge le cul, c'est bon. Je suis mort moi-même. Putain, fils de pute. Et est-ce qu'il y en a qui sont tombés? Mais oui, ils étaient tous tombés, mais ils ont perdu, l'espèce de fils de pute. Ok, ils disent aise. Va chercher mon stuff en bas, s'il te plaît, vite. Et attends, par où il faut y aller, par où on y va? Putain, t'es trop con. Attends. Ah, t'as plus une vie? Bah ouais, gros, t'es con quoi. Tu sais pas trap, gros. Quand je t'ai dit, ouais, ils étaient tous dessus. Putain! Je l'ai ouvert! Ouais, bonne nuit, moi je vais me recoucher. Hein. T'as pas de lit pour moi à voler? Bonne nuit, monsieur Poulet. Ouais, mais je vais coucher sur mon divan, genre. Okay, ah non, il me faut des livres, ok, il m'en faut pas que deux. On attend un peu du coup pour le détir. Oh, désolé, Icon. Là, Icon, bah ouais, mais vous l'avez pas ouvert au bon moment, gros. Vous êtes des fils de pute. J'aurais dû les avoir. Putain, c'est de ta faute. Non, en vrai, j'ai fait de la merde. Le gars, il est arrivé à côté de moi. Il s'est mis à me critiquer et j'ai paniqué un peu. Donc, tu vois. Pourquoi que la lootie qui me loot pas de cuir, l'enculé? C'est pas grave, c'est pas grave. Yo, les gars, on se reprend. Je viens juste de faire un kill. Je viens juste de faire un kill en fait. Je viens juste de drop le stuff là-dedans. J'ai tué Kiro Shawa. En fait, il est mort, le gros. J'ai foutu un gros combo proche de la montagne. Et ensuite, il est tombé de shit. Oh, merci pour les poissons, les gars, ceux qui sont déportés les poissons. Donc, en gros, il est tombé de la montagne. Et puis, on a récupéré ça. Puis, son ami a vite perdu sur le stuff. Donc, ouais, c'était chaud. Mais bon, on a essayé de faire de notre mieux. Et puis, on l'a tué. Je vais vous montrer qu'est-ce qui est arrivé, en fait. On est arrivé. Leur base est juste derrière. Celui est en haut de la montagne, là. Je l'ai fait tomber ici. Ensuite, il y a Chuck and Pearl là-bas. Puis, il est mort juste ici. Ah, sur ce bloc là, puis le stuff était tout là, puis leur base c'est juste là, là lui il a perdu son ami, mais voilà. Aussi on a des nouveaux voisins ici, des gars qui se sont installés juste là, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec eux, je sais pas si on veut on va essayer de les mettre edible ou non, mais regardez, il y a nos stuff, puis tout. Icons. Oh, I don't have some, sorry bro. On va être gentil avec ces gens-là. Parce que, enfin, c'est des nouveaux sur le serveur, donc ça sert à rien. Mais je pense qu'on va les mettre readable après, plus tard dans le truc. Donc, je vais rentrer dans la base, les gars, puis on se retrouve très bientôt. À tout de suite. Yo, il y a du... Non. Ferme vite, il a pas vu. Il a pas vu. Fermé. Il va back vu qu'on est deux, mais on va le tuer pareil. Yo, le micro de merde, ferme ta gueule. Yo, oh my god, ça me fait rager ça. C'est ce petit cancer avec leur micro toxicoman. Lui, c'est pas sa base ici, ok. En fait, si, c'est peut-être sa base. Je l'ai pas F chaud. Oh, ça, c'est son ami. Je vais prendre son ami, moi. Ok. Ok, go, on va avoir besoin de la trappe. Ok. Ok, je vous attends en bas de la trappe. Non, et mec, je peux le faire en haut, j'ouvre en haut, moi. Oui, mais je veux dire, moi, je suis en train d'attendre quand il meurt de suite.
tu me dis quand j'ouvre. Alors enlève-toi de là. Je pense qu'ils la connaissent la trappe en fait. Mais ils la connaissent pas, je pense qu'elle t'assacle sur la trappe hier. Ok, ben stuffez-vous puis venez. Ceux qui ont du stuff, venez. Hop, j'arrive, j'arrive. Ok, c'est bon, j'ai. On va se les fight. Mais t'as des potes ou pas? J'ai que des speed, pas de... j'ai que des heals, pas de speed. Ok, ben on est à côté de la base anyway là. Et c'est pas, c'est pas. Y'a rien qui s'est passé. Go, 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 là, tu as baby là. J'ai une perle en arrière de eux, moi. Ah oui, t'as attention, c'est la base de. Vas-y, t'es où? Je suis à. Attention, y'a pas mal de trappes ici. Non, mais on est parti, c'est ah, bon. Ouais, c'est la base d'Optifine 2, y'a pas mal de trappes. C'est la Udrat, c'est ici. Ah, je sais où elle est, la base d'Optifine, j'arrive. C'est que. Fais F-Show, Xylos, fais F-Show Baby, Baby NGT. F-Show Baby NGT. Ok, c'est la Red Line, il est en 40, moins 1200. Ils ont combien de coups? Il y en a. Oh les gars, il y a d'autres mecs là, il y a ouais. Des nouveaux mecs hein. Il y a des nouveaux mecs hein. Mais eux ils sont pas ensemble, eux ils se tapaient. Oui. Eux ils étaient dans un fight 1v1, un à côté de l'autre, ça. Attends, attention, fais attention, il y a des trappes. Brûle à la base de petit fine. Non, juste derrière. Leur base c'est ça, leur base c'est ici, baby. Ah, baby et tout, c'est leur base, c'est ici. Ça lag un peu aussi en plus. Ok, j'arrive, je vais à la base de. Baby. Oh fuck, je me suis heal dans toi, je pense, ça m'a pas m'a mal heal. J'ai plus de speed. Hey, son noir, t'as-tu une speed? Drop une speed, drop une. Non, moi, j'ai plus de speed, moi. Il m'en reste qu'une après pour moi. T'inquiète. Du coup, je pourrais pas t'en donner une autre. Mais attends, on y va, on y va, on y va. Attends, derrière, derrière. Il faudrait les drop. Genre, les trappes. C'est une spliff, ça, c'est une spliff, ça, c'est une spliff. Ça paraît trop, ça, c'est une spliff. Eux, ils connaissent pas nos trappes, les gens. Ouais. Ouais, ouais, les deux nouveaux, là. Je suis là, les gars. Go les trappes, ils connaissent pas nos trappes. Là, les gars. Ah, il m'explose, je lag. Oh, mais Xylos, va-t'en si t'es pour laguer. Attends, t'inquiète, mais t'inquiète, ça sert. Tu es. Hey, baby NGT, il est tout seul. Lui là, il y a plus beaucoup de potes. Raze, on l'a enculé avec poulet, fait que lui, il y a plus beaucoup de potes. Je me fais. Il est derrière moi, derrière moi. Baby NGT, il met un combo du turf, mais j'ai pas de speed. Allez, viens, viens, go. Yo. On continue, on continue. Attends, 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 attends. Dis ils sont pas contre, ils sont contre, ah, ils sont contre eux, ils sont contre. Moi, plus speed, oh shit, ma souris déco, ma souris déco, ok c'est bon. Il m'a debuff, 4 secondes, ah, merde. 5 secondes. T'inquiète, on continue à fight, on continue à fight, on va se refaire des speeds après. Ils vont essayer de nous trapper. It's an action pack PvP. Oh folks, folks, oh my god folks, I was about to die right there folks. Oh my god folks. Ça c'est leur base, attention. Ça c'est leur base, mais l'autre gars, les autres gars, leur base c'est leur base rose là. Fait que, regardez les gars, on va se reprendre des speeds puis tout, puis on va revenir fight, ça sert à rien là. Ok, bah c'est où les speeds? Normalement que lui veut continuer à nous en donner un peu. Oh, lui veut continuer. Ouh, il est pas pire, lui, il est pas pire, attention. Oh shit, oh shit. Il est mauvais. Attends, attends, attends. Merci, tu t'inquiète. Attends. Je suis pas sûr des trappes en fait là. Derrière lui, il y a une trappe derrière. Non, fais gaffe, derrière il y a une trappe. Non, ça c'est sa base. C'était pas sa base, ça c'est sa base. Garde son ami dans dedans. Regarde, tu vois. Fais gaffe, fais gaffe. Le gars il s'est respire. Non, viens-t'en, on s'en va. Okay, viens-t'en, viens-t'en. Oh oui, peut-être qu'ils vont nous suivre. Viens-t'en. Peut-être qu'ils vont nous suivre. On s'en va au pire, on s'en va sur respot. Ouais, ouais, c'est ça. Fais juste perle. Perle vers la base. Non! Oh my god, Xylos. T'as failli perle dans le perle catcher de la Outrat, man. Ok, il va te suivre ma perle, tu penses? Perle au-dessus, perle au-dessus. C'est le bon moment. Oui, 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 je pense qu'ils suivent les perles. Non, ils suivent pas. Fuck, faites genre que vous courez. Continuez de courir, arrêtez-vous pas. Ah, non, regarde plus. Mais ah, c'est pas grave. Attention, il y a une fall trap ici. On va faire des speeds, les gars, puis on y retourne à tout de suite.